Alors là, on change d'ambiance complètement. Alors, je crois pas qu'on puisse revenir en arrière, attendez. Non, on ne peut pas. Dommage. Voilà, après on peut, je sais qu'on peut sélectionner son niveau aussi. Alors ça ressemble clairement à des débris humains. Donc Fred a dû passer par ici. Et là vous voyez cette espèce de lampe rouge là, comme ça, là. C'est pas trop ce que c'est en fait, hein. Ça clignote dans tous les sens. Tout ce qu'on sait. En tout cas, c'est magnifique. Là, on change complètement d'ambiance, et pourtant, je trouve ça magnifique. Je trouve ça absolument excellent. Et on arrive vers une espèce de village, visiblement. En tout cas, ça y ressemble un peu. Je sais pas vous, mais ça me fait penser à une espèce de village, là-bas. Il y a des maisons, là. Hello. Qu'est-ce que c'est que ça? Who are you? You're not from here. Wow! You look just like Fred, but smaller. And with less hair on your face. She knew Fred. I told her that he was my uncle, and that I was looking for him. What's an uncle? I said that he was, that I had known him all my life. Really? Me too. I'll help you find him. I'm Madeline. The others call me Mad Maddie sometimes. I don't know why, really, but you can call me Maddie. You've never been to the village, right? Let's meet over there in the square. I'll show you around. I bet you can get there easily with your suit thing. So, I'll see you there. I couldn't believe it. An underground village inhabited by frog people, or more like salamanders. Either way, they walked like humans, they talked like humans. How is that possible? Ok, donc là tout est dit, hein, une espèce d'homme salamandre, batracien, ce que vous voulez, nous accueille. Donc elle était puissamment moche, mais en même temps elle a l'air d'être assez cool. Enfin, en même temps, c'est des hommes salamandres, on peut pas forcément s'attendre à grand chose des hommes salamandres. Mais ça se précise, apparemment il a trouvé des œufs spéciaux, et du coup, comme par hasard, on rencontre des hommes salamandres. Bon, bah, je vous laisse faire le parallèle vous-même, hein. Là, tire de là, vous n'avez pas besoin de moi. Raté. Raté. Là aussi, c'est raté. Non. J'ai réussi à reprendre le truc. Non, là, c'est raté, par contre. Putain, la compte tarasse. Bon. Wouhou! J'ai encore fait un saut hauteur. Moi. Ce qui est mal. Ouh là là. Ouh la visée à la manette. C'est dur. Là là. Vous savez quoi? Je vais pas prendre le deuxième bloc. Je vais pas m'emmerder. Je vais carrément faire ça. Voilà. Ça marche très bien aussi. Voilà. Apparemment, il y a plusieurs manières de faire. Ou alors peut-être qu'il était mis là pour justement nous induire en erreur. Bon. En tout cas, c'est magnifique. Je ne cesserai jamais de tarir d'éloge sur ce jeu. En termes de qualité graphique. Alors c'est vrai que vous avez vu, la nana a été modélisée. C'est pas de la nouvelle génération, voilà. Enfin, c'est pas un truc de fou non plus. Mais je trouve que ça remplit quand même carrément bien son taf. Hein, franchement, ça reste du très bon travail. Et moi, je suis absolument fan de la direction artistique, mais pas des plateformes. Donc, je suis absolument fan de la direction artistique de ce jeu. Quoi, j'ai rien à redire dessus. Hein, vraiment, c'est excellent. Quoi. Voilà. Ok, alors là... Ouais. Et on arrive au village. Au village des hommes grenouilles batraciens, je sais pas quoi. Alors, pour l'instant, c'est...
ça a l'air d'être clairement des mecs qui sont servis des débris humains pour construire leur village, parce que je vois pas trop comment ils ont pu avoir ce genre comme ça. En tout cas, c'est leur signe. Hein. Ce signe-là, c'est... On utilise quelque part un peu leur signe, quoi. Fais ta gueule. Over here. Oui, on a compris. Hey. Ouh. Hey. Hi. Welcome to my village. This is the town square, and that over there is Fred's tent. I haven't seen him in a few days, though. Maybe our elder Samuel knows where he is. He knows a lot of stuff. Mostly boring stuff, if you ask me, but it's worth a try. Before asking him, though, you should check out the village. It's not so bad, unless you have to stay for too long. When you're done, go to the island with the windmill, and you'll see Samuel's cove from there. I'll go on ahead and tell him that you're coming. He's not much for surprises. Later. I thanked Madeline and agreed to meet her later. It was strange. How could I talk to someone who was not even human and still feel like it was perfectly normal? Il y avait des automates. J'ai vu un musée comme ça une fois rempli d'automates, ça fait penser un peu à ça. Ça fait son effet hein, pour un... Si c'est bel et bien un jeu indé, c'est déjà très très bon comme boulot. Alors, comme par hasard, ils mangent beaucoup de poissons. Mm-hmm. Ah, des fruits et des légumes aussi, moi j'ai rien dit. Là, ils préparent le Gloobibulga. Bon, ils ont l'air d'être plutôt heureux, on pense en quelque sorte. Là, j'ai l'impression qu'il décide. Putain, il a une gueule, lui. Cutie 40. D'accord. C'est très chelou. Là, c'est la réunion des hippies. Bon, plus que le guitariste, ça devrait le faire. Ok. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Bon, je vais explorer un petit peu. Hein. Je vais me faire plaisir, c'est pas de raison. It looked like most of the shacks in the village were built out of trash. Ah, ce que je disais. Trash from our world. It was, after all, a garbage disposal pad. Took me here. Attendez, parce que pas que je me gourre là, si c'est plein là. Ça va être la bonne direction ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt partir ailleurs. Plutôt aller là. Ok, je trouve la maison des hippies. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Est-ce qu'il y a quelque chose au moins en bas? Non. Ça, c'est le fameux potager? Non. Non, bah, c'est juste pour la visite, visiblement. D'accord. Ah mais mes petits candides, mais c'est des bonnes carottes, ça du potager. Mon dieu, je t'ai obligé, désolé. Alors, on va repartir. Parce que là pour l'instant il n'y a rien d'intéressant, à part le camp des hippies, la maison des hippies. Ouais, donc ils se nourrissent de leur culture et... Et à mon avis, je vais devoir aller par là. Bon. Oui, c'est fort probable. Une story de culture et du poisson, ce qui est tout à fait logique.
Putain, c'est vraiment des automates, c'est abusé, ça me met un peu mal à l'aise, je vous avoue. Ok, nique. Ok, tout va bien. Bon, par contre, je ne peux pas trouver de gramophone là, ou je sais pas quoi. Apparemment, on peut descendre là. Je suis intrigué, je vous avoue, j'ai vraiment envie d'y aller. Mais apparemment, pour continuer l'aventure, faut aller là. Oh diable! Eh ben, allez, oh diable la prudence. Je me lance. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Putain, mais c'était le camp des hippies. Mais quel con. Je pensais que c'était un coin là-bas. Non, bah, je suis vraiment désolé. Je suis un débile. On va faire avance rapide, c'est parti. Allez, hop, 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 hop. J'ai l'habitude de faire le double saut, vu que j'ai joué à Anima il n'y a pas longtemps. Voilà. Je laisse apprécier l'endroit. Il y a des fois où je fais des blancs un petit peu, mais c'est vraiment, je vous laisse apprécier l'endroit qui est absolument fabuleux. Quelque chose me dit qu'il y a un truc là-bas. Excellent bouffiote là, c'est louche. C'est très louche. Bon, vous savez quoi? De toute façon, j'ai un point de sauvegarde. Au diable la prudence, j'y vais. Et j'ai sauté en hauteur, ce qui est très mal. Et voilà. Alors, est-ce que je suis allé dans un endroit où je ne devais pas aller? Ça m'étonnerait vu la gueule des loupiottes. Est-ce qu'il n'y a pas un petit gramophone dans le coin? Par le plus grand des hasards. J'ai l'impression de m'être fait sauvage culé là. D'accord, donc apparemment non, ça faisait juste partie du décor. C'est débile. Enfin, c'est dommage. Bon. Bon, bon, bon. Je m'incline. De toute façon, ça va me ramener, voilà, ici. On va continuer le niveau comme on devrait continuer. Ouf, j'arrête d'explorer dans tous les sens, je crois, parce que du coup, j'ai l'impression que je vais dans un endroit où je ne devrais pas aller. Ah, attendez. Là-bas, ça va être la suite. Ouais, c'est la suite. Hop, vite fait. Bon, là, ça mange pas de pain. J'explore vite fait le haut. Et tape des barres tous les deux, c'est parfait. Je cherche en fait les gramophones, j'avoue, j'aimerais bien débloquer deux trois options à la con, ça me fera vraiment marrer. Bon. Écoutez, c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Bon, après, faut dire que je fais un peu la chasse aux gramophones, mais c'est pas indispensable pour finir le jeu, hein, c'est juste des extras, quoi. Ok. Puis on débloque pas une fin secrète, chaque gramophone ne donne pas des indices sur l'histoire ou quoi que ce soit, c'est juste des gramophones à la con. Ah. Ah ah. Ça par contre, ça me donne des indices. Ah bah, ça doit être l'antre justement de la nanette, la Madeleine. Parce qu'il y a l'oncle, et pour le coup, elle est là. Bah oui, Maddy. Nope. Not that I know of. He lived alone. He didn't really have any time for a family, I guess. He was always away or busy with his inventions. He could be gone for months at a time. I never knew how soon I would see him again. Don't you think he felt lonely then? I think he was too caught up in his projects to feel lonely. It seems like he found new friends in the village, though. Maddie
seemed to be especially fond of him, taking after all that he did. Maybe Fred was like a father to her. She didn't have a real father, right? If she was born from an egg. That's right. That's another thing we had in common. Nah. Elle ouais, me fiche. Avec la jolie photo de l'eau. Grapple Hook Mady, putain. Elle rêve d'avoir un grappin comme l'oncle Fred. Ok, moi ce que je trouve intéressant, c'est ce livre-là avec la couverture en bois et les attaches en cuir. On a vraiment l'impression que voilà, ils ont traduit en fait The Three Little Pigs avec les trois petites grenouilles, un truc du genre, parce que les trois tritons. Moi j'aime bien, c'est des petits détails comme ça qui moi me font plaisir dans les jeux en fait. J'espère qu'à vous aussi du coup. Mais vraiment, moi c'est ça qui me fait rêver dans un jeu. C'est des petits détails inutiles donc indispensables. Quoi. Ça par contre. C'est spé. Attendez. Alors j'ai l'impression que là on sort un peu du village. À mon avis, la sortie, elle est là-bas. Ça pue. Raté. J'aurais essayé. Alors, continuons. Attendez, merde, je suis paumé là. Ah, pas, je me suis paumé. Bon, bien. Oui, d'accord, je devais pas traverser le pont, il fallait atterrir devant, mais. Ah si, non, je devais traverser, mais je continue là pour ensuite retraverser ce pont. D'accord. À mon avis, je pense qu'ils n'auraient pas deviné qu'un abruti se serait vautré ici, mais. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Voilà, à mon avis, c'est pas bien compliqué. Juste que j'arrive à la voir, c'est un peu. Allez! Ah! Voilà! Allez, 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 allez. Ah! Fichtre! Ok. Bon, je vais faire un tour pour rien. Ça permet un peu d'étudier l'environnement. Lui, il est là, il arrive, il est beau. Voilà! Vraiment, faut prendre son temps en jeu. Là-bas. Allez, 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 allez! Ah! Oh putain, c'était juste! C'était super juste! Oh là là! Wesh! Parfait. Parfait, parfait. Donc là, ça doit être la suite du niveau. Quoique. On va aller voir là-bas. A stranger in our halls. Welcome. Our name is Samuel. And we will do our best to assist you. Please tell us what brings you here. I told him that I was looking for my Uncle Fred. We should help. Do you know where he is? Fred left us without a word. If you aspire to find him, we can share with you a sacred crystal, a power core. Fred used their kind to power his suit. You can have it if you return our Fred to us. The crystal? Sweet! Madeline, that was inappropriate. Your help will not be necessary. The crystal is not for you to have. What? I want to help finding Fred. Why couldn't I? Please, Madeline, that is impossible.
None of us may enter the chasms. It is too dangerous. What's the danger? If Fred can do it, so can I. I say this for your own protection, Madeline. You are forbidden from entering the chasms. Just because you're afraid of what's outside the village doesn't mean I am. I'm nothing like you. I'll never be. We apologize. It is true that we want to keep her safe. But she does not understand. Behind us is the power core. Take it and go into the chasms. Find Fred. And if you see Madeline, take care of her. Be safe. Bon, ils sont plutôt amicaux en fait. Hein. Le fameux troisième cristal de pouvoir qui nous permettra d'avoir une troisième charge. Pourquoi il y a un signe ici? Je ne sais pas. Ça m'intrigue. D'accord. Bon, bah écoutez, ça se passe pas trop mal. I felt a little uneasy about moving on into the chasms. If it was too dangerous for Maddie, would it be safe enough for me? Ah, j'avoue que c'est un peu la question là quand même, ouais. Donc, en fait, on pouvait pas aller là-bas tant qu'on n'avait pas. Du coup, vous savez, l'espèce de grotte rouge là, on la verra un peu mieux tout à l'heure. Mais l'espèce de grotte rouge, à mon avis, ça pue du cul là-bas, mais c'est vert quoi. Allez. Oh, Villeni. Et je me suis pris le rocher en pleine gueule. D'accord, j'ai fait la gaffe. J'aurais peut-être pas dû, en fait, me prendre le troisième rocher. C'était peut-être pas nécessaire. Hop, je suis sûr que je peux y arriver comme ça. Eh ben non. Allez. Voilà. Bon, troisième rocher nécessaire. Oh là là, je suis venu qui dans ces jeux. Mais vous voyez, celui-là, c'est le jeu qui me botte. Je pense que maintenant vous comprenez pourquoi. Oh putain, la réception sur le pont. Ouf. Putain, celle-là. J'avoue, j'ai serré les fesses. J'avoue. Oh putain. Bien. Le village est là-bas. Nous sommes en train de nous éloigner du village. Ouais. Ah! Putain, réussi! Ah! Vous avez vu dans quel état je me mets pour un bête jeu de plateforme? Vous avez entendu comme moi, là. Ça sent le mitril. Ça sent aussi le gramophone dégueulasse, la fin d'espèce de... Ah, le là. Voilà. Bon, il doit y en avoir deux par niveau, j'ai dû en louper un. C'est pas grave. Enfin, sûrement plus, en fait, pour être honnête, je n'ai aucune idée. Pourquoi j'ai fait ça? Putain, j'ai rien compris ce que j'ai fait, mais c'est passé, c'est principal. Ouais, d'accord. Donc, en fait, non, j'ai l'impression, j'ai peut-être pas loupé, en fait, les gramophones. C'est juste qu'il y avait une grosse partie, entre guillemets, histoire, et que là, on attaque la partie plateforme pure, quoi. Ouh, ça pue sévère du cul, ce truc là-bas. Ouais. Allez. Je tente. Ça sent la merde. J'ai du mal avec les sons en longueur. Je crois que je relâche la touche de course trop vite. Alors ça, c'était la
Non, bah j'en ai pas assez de toute façon. Bah, j'ai plus. Tant pis. Alors. Quand tu veux. Voilà. Je vais me balancer d'arche en arche. Non. Bon, putain. Emmerdé ce passage, je le sens. Allez, putain, parfois j'ai du mal à choper les blocs. Donc on va faire ça en douceur. Par exemple, là, c'est bon, ouais, le prochain coup, j'arrête, enfin j'arrête, je fais une coupure. Hein. Parce que vous, ça ne va pas vous éclater de me voir crever en boucle. Faut que je dise que je vais faire une coupure pour que ça marche, en fait. Je devrais dire plus souvent. Ah ben voilà, j'en ai trouvé un deuxième. J'en ai avoir quand même plus que deux, à mon avis. C'est où ? Bon. Bon. Bon, bon, bon. Alors, je suis là, à mon avis, il va être tendu. Si vous voulez mon avis, celui-là, il va faire mal au cul. Alors, vous savez quoi? J'ai envie de tenter un truc. Je me suis prodigieusement foiré. Je vais le retenter quand même. Donc. Est-ce que je peux en atteindre un comme ça? Parce que ça me... J'ai un truc qui a... Il y a un truc à gauche qui m'intrigue, en fait. Là, je l'ai. Là, c'est ma chance. C'était ma chance. Et bah non. Non, je pense que je suis obligé d'aller du coup d'aller là-bas. Tant pis. Allez, allez. Dommage. Il y a un timing dans l'histoire. Hein. Allez, allez, jetez là. Non, non, je. Non. Bon, d'accord. J'ai un gros problème avec la distance. Ah, là, je... T'es ! Alors, je vais me laisser guider, parce que vous voyez, il y a un gros truc là-bas, et je sais pas trop ce que c'est. Alors, j'ai juste regardé. Ouais, non, à mon avis, c'est pas exploitable. Ah, mais attendez, c'est pas l'espèce de gros truc où je suis allé, justement, où je me suis fait un peu avoir. Enfin, ça y ressemble, en tout cas. Donc, je vais pas y aller, parce que je me suis déjà fait avoir une fois, pour envie d'avoir une deuxième fois. Ok. En fait, il y a juste le timing du début qui était un peu tendu, mais sinon ça passe. Okay. Darkness swept over me as I left the glittering lights in the village behind me and headed for the ominous shadows of the chasms.